Bonjour à tous et bienvenue dans History, un nouveau format de vidéo qui va concerner un sujet qui me passionne, l'histoire avec un grand H. L'histoire de France, mais également d'autres pays, au travers d'anecdotes et de faits divers. Pour ce premier épisode pilote, j'aimerais vous parler de la place forte d'Épinal. Pour commencer, situons un peu les choses. Épinal est une ville vosgienne en région Grand Est. Elle se trouve à environ 141 km de la frontière avec l'Allemagne. Remontons à présent le temps. Mai 1871. La France perd la guerre face au royaume prussien, et une partie de la Meurthe ainsi que quelques communes vosgiennes se trouvent être annexées à l'Allemagne, la fameuse Alsace-Lorraine. Pour les Français, la paix ne peut être durable avec un tel sacrifice. Cependant, la France a conscience qu'elle sort d'un conflit et que son armée est totalement désorganisée et son armement dépassé. Craignant une nouvelle invasion allemande, le pays va s'organiser pour reconstruire un système de défense. En juin 1874, on nomme à la direction du génie au ministère de la guerre le général Céré de Rivière, qui inventa le système de place forte, une série de plusieurs forts capables de se défendre mutuellement. Ils encerclent une ville stratégique et la défendent pour protéger les civils ainsi que les soldats qui logent dans des casernes. Son programme de renforcement défensif sera approuvé le 17 juillet de la même année. Suite à l'annexion, Épinal se trouve à seulement une cinquantaine de kilomètres de la frontière allemande. La ville est déclarée position stratégique car elle se trouve être un carrefour entre plusieurs routes et voies ferrées. En 1874, quatre forts sont construits autour d'Épinal, le fort de la Mouche, de Deugneville, de Razimont et de Longchamp. Il n'est pas encore question de place forte et les forts ne servent pas à défendre la ville. Ils servent à ralentir une possible attaque de l'ennemi. C'est le 14 mai 1878 qu'Épinal est choisi pour devenir une place forte. Les forts de Girancourt, du Roulon et du Bambois viennent en complément de ceux déjà existants. De 1881 à 1885, quatre forts seront à nouveau construits, le fort d'Uxeniers, de Bois-l'Abbé, de la Grande Haie et des Adelphes, ainsi que quatre autres petits forts appelés batteries, la batterie de Sanchez, de la Voivre, des Friches et du Thiers. En 1885, un total de 15 forts défendent la ville d'Épinal. Mais au même moment éclate la crise de l'obus-torpille. Un obus capable de traverser les parois en maçonnerie avant d'exploser. Les forts étant construits en maçonnerie, sont obsolètes et doivent être modernisés et renforcés avec du béton armé. En attendant, on décentralise l'artillerie des forts dans 70 batteries d'artillerie annexes, elles-mêmes protégées par 33 redoutes abritant l'infanterie défendant les batteries. 17 magasins à munitions seront également construits. Ça en fait du monde. Pour ravitailler les principaux forts, on construit en 1888 une voie de chemin de fer les reliant. En 1889, un 16e fort vient s'ajouter, le réduit du Bois d'Arche, qui sera le plus moderne de la place avec un armement sous tourelle et casemate. 1914, la place se met en état de défense face à l'avancée de l'armée allemande, mais cette dernière est stoppée plus au nord. Les forts seront démantelés en 1916 pour alimenter le front de Verdun. En 1918, la France récupère l'Alsace-Lorraine. Un nouveau système de défense voit le jour, la ligne Maginot. Les places fortes deviennent alors des positions de défense secondaires. Les forts resteront en l'état, sans même être modernisés. Le 10 mai 1940, l'armée allemande contourne la ligne Maginot en passant par les Ardennes et arrive au sud-ouest d'Épinal le 17 juin 1940. La place doit se défendre dans des conditions misérables. Seuls les forts de Deugneville et d'Uxeniers seront dans la capacité de défendre la ville. Ils tireront pas moins de 1100 obus et résisteront pendant 4 jours. Les deux ouvrages seront bombardés maintes fois par l'ennemi sans causer aucun dégât. Ils se rendront sous la menace des Allemands qui voulaient s'en prendre à la population civile. Sous l'occupation, les forts seront utilisés par les Allemands comme dépôts de munitions et de prisons. Mais en 1943,
les forts seront ferraillés et leur contenu métallique fondu pour la fabrication d'armements du Reich. Les forts ayant le moins souffert seront utilisés dans les années 60 et 70 par l'armée française en tant qu'entrepôt à munitions et de terrain d'entraînement avant d'être abandonnés définitivement. Aujourd'hui, seuls les forts d'Uxonier et de Bois-l'Abbé ont été restaurés et sont ouverts au public. Pour les autres, ils appartiennent bien souvent aux communes et sont fermés pour la préservation des chauves-souris. L'épisode est à présent terminé, vous en savez un peu plus sur le passé méconnu de la ville d'Épinal. J'espère que ce type de format vous plaît, si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à partager la vidéo et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'autres sujets sont déjà en préparation, mais en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur History.